c'est une large défaite. On avait bien entamé la... On a fait une, paradoxalement une bonne première période où on se crée pas mal de situations intéressantes. On peut faire basculer le match de notre côté. Et ensuite, oui, ça devient une large défaite parce qu'on a des approximations. On n'a pas suffisamment de poids aussi pour peser et pour revenir dans la partie. Félicitations à cette équipe de Toulouse qui était prête, qui a fait les efforts ensemble, qui nous a posé des problèmes comme prévu et qui est venue chercher cette victoire. On est dans une phase de préparation. Bien entendu, il y a l'urgence du championnat. Bien entendu, c'est la deuxième défaite avec 3 buts encaissés. Ça fait mal. J'en suis conscient. C'est une période difficile. J'en ai vécu une autre en arrivant ici. On a su trouver les solutions. C'est mon rôle. C'est mon rôle aujourd'hui de trouver les solutions et de redonner aussi. Certains ne sont pas forcément à leur niveau. De redonner... cette confiance aux joueurs, cette confiance qu'on a vue par moment à Montpellier, cette confiance qu'on a vue ici aussi par moment en première période. Donc on est capable de le faire, à moi de leur redonner ça. On se doit d'être au niveau de la Ligue 1. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne le connaît pas, le niveau. On n'est pas promu, on s'est maintenu. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été le cas, on s'est maintenu. C'est cet effectif, parce que quand on regarde l'effectif à 2-3 joueurs près, ce sont ces joueurs qui étaient là la saison dernière, en Ligue 1. Donc oui, ils ont l'expérience de la Ligue 1. Oui, on sait ce qui nous attend tous les week-ends. Donc on se doit d'être à ce niveau-là, que ce soit individuellement ou collectivement. Que ce soit Andreas, que ce soit Jackson, qui découvre la Ligue 1. Je peux ajouter même les jeunes que je fais rentrer. Ce n'est pas facile pour eux quand je fais rentrer... De 2004 à 2002 sur le terrain pour tenter d'inverser la tendance et ils découvrent ce niveau. C'est pas évident, ça fait partie de mon métier aussi, de les faire progresser. Ils ont progressé aussi avec ces rentrées. Ils nous aideront peut-être dans les prochains matchs, mais effectivement, il y a des joueurs qui doivent vite apprendre. On n'a pas le choix. Ils doivent vite se mettre dans cette exigence de ce niveau-là. On a très mal débuté la saison dernière, ça ne nous a pas empêché de terminer à la 15e place. On était dans une situation difficile en janvier, ça ne nous a pas empêché de revenir dans le coup. Voilà, on débute à nouveau mal cette saison, on est conscient des manques. On a encore plus de 15 jours de travail sur le recrutement. Et moi, j'ai aussi conscience du travail à faire avec les joueurs qui sont là. Oui, de l'inquiétude, mais bien entendu que j'ai de l'inquiétude. Bien entendu que la tâche est difficile. Encore une fois, c'est pas la première fois. L'Estac l'a vécu l'été dernier. L'Estac, avec moi, on l'a vécu l'hiver dernier. Donc on sait aussi qu'on est capable de surmonter ces périodes. Mais bien entendu, vous commencez le championnat avec 2 défaites en encaissant 2 fois 3 buts. Donc oui, il y a un travail pour moi, pour l'équipe. Il y a des solutions à trouver. C'est mon rôle aussi d'entraîneur de trouver des solutions et d'accompagner les joueurs vers ces solutions.